Bonsoir, chers dames, chers messieurs, soyez bienvenus. Dobrý podvečer, milé dámy, milí pánové. Vítejte u dalšího webináře Národního pedagogického institutu České republiky, připraveného v projektu SIPO. A je mi velkou ctí, že první webinář zaměřený na francouzštinu, fonetika francouzštiny jako základ rozvoje řečových dovedností, připravila zkušená lektorka a pedagožka paní doktorka Silva Nováková. A nyní mi, vážení, dovolte několik slov k představení paní Silvy Novákové. Paní doktorko, vy jste v posledních letech působila na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na didaktiku francouzštiny, problematiku pedagogické praxe, fonetiku a fonologii francouzštiny. V současnosti vyučujete na gymnáziu Plzeň na Mikulášském náměstí, lektorsky se pak věnujete problematice zvukové stránky francouzštiny, rozvoji řečových dovedností, věnujete se i výuce francouzštiny po angličtině a využití prvků estetických výchov ve výuce jazyka. Tam zúročujete svoji několikaletou praxi na základní škole na prvním i druhém stupni, kde jste vyučovala předměty francouzštinu a hudební výchovu. Kromě toho jste spoluautorkou třídílného učebnicového souboru pro výuku francouzštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka Le Français en Prenu Plus. 20 let jste pracovala jako redaktorka časopisu Cizí jazyky, jste řešitelkou projektů ve vzdělávání, jako je Evropské portfolio. A 7. rokem stojíte v čele Sdružení učitelů francouzštiny v České republice. A nově jste také členkou metodického kabinetu Cizí jazyky projektu SIPO. Já nesmím zapomenout, že v neposlední řadě se příležitostně věnujete spolupráci s operními zpěváky jako jazyková poradkyně pro vokální díla ve francouzštině. Paní doktorko, můžu se vás zeptat? Mě to velmi zaujalo a chtěla bych se zeptat, co to vlastně přesně obnáší nebo co to znamená být jazykovou poradkyní pro vokální díla ve francouzštině. Dá se to nějak v kostce shrnout? Dá se to shrnout v kostce, je to práce pro mě velmi příjemná, i když docela náročná. V podstatě musíte připravit podklady pro zpěváky, to znamená celou operu přepsat foneticky, jakoby teda do češtiny, jo, všechny slabiky převést, tak aby tomu zpěváci rozuměli. A přeložit doslovně opery, a pak pracovat individuálně se zpěváky a se sborem. A jinak možná víte o představení Edith Vrabčák v Předměstí, tak jsem měla taky tu čest spolupracovat s Radkou Fischerovou, vlastně když dělala tohle představení v Plzni. A někomu to jde líp, někomu hůř. A řekla bych, že v současné době opravdu ten trend dávat opery v originálech, což je velice dobře, protože ten jazyk sedí k hudbě daleko líp, ten mateřský jazyk, že? Takže Carmen v originále je daleko lepší než jiné opery, než češtiny. Já si představu, že je to obrovské množství práce a že to zabere asi i hodně času a zároveň, že máte možnost tam zúročit opravdu všechno to, co jsem předtím říkala, kde jste působila a že jste dělala. Já moc děkuji za upřesnění. Ode mě už je to v podstatě všechno. Já také moc děkuji za uvedení. Tout ce qui est la sonorité du français, c'est, moi je dirais, la base du choix des élèves du français. Vous savez que souvent c'est la première motivation pour ce choix. On dit que le français est une belle langue. Et belle, pourquoi belle? Parce qu'elle a des belles sonorités. Ça s'entend agréablement. Parfois, on peut voir une certaine déception du côté des élèves. Et là, il se pose la question. Pourquoi les Français ne parlent-ils pas comme je l'ai appris à l'école? Imaginons la raison principale de cette constatation. C'est un peu dommage. Et justement, l'objectif de notre rencontre, c'est se dire ce qu'on peut faire pour éviter cette question de la part des élèves. Si on observe les raisons principales, donc c'est certainement le manque des compétences communicatives. Alors là, vous avez la liste de ces compétences communicatives qu'on travaille à l'école. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est la phonétique, mais
tout est lié, vous voyez, et on va voir justement ces liaisons au cours de notre rencontre. Ce qui est aussi un jeu, ce sont des registres de la langue, évidemment. Parce que là, à l'école, on est surtout dans le français qu'on appelle le français standard. Puis on fait, évidemment, on rencontre le français familier. Et on fait aussi des excursions dans le français soutenu, du moins par la compréhension orale. On le rencontre dans les enregistrements qu'on travaille. Là, justement, cette classification, je l'ai tirée de Pierre Léon, donc qui distingue le français standard, familier, soutenu. Moi, je pense que tout le monde comprend de quoi il s'agit. Et là, il y a une petite note. Là, justement, les élèves ne sont pas parfois sensibilisés à toutes les manifestations phonétiques, leur variabilité. Pourtant, c'est un indicateur sociolinguistique important. Là, on va le revoir, justement, ce principe didactique encore une fois à la fin. Et puis, il y a encore une raison vraiment objective, et c'est le caractère lié du français. Évidemment, dans l'apprentissage d'une langue, il y a de nombreuses interférences qui entrent. Et si nous prenons le tchèque, alors là, on a les mots assez bien distingués dans la parole. Il y a les coups de glotte qui ne se manifestent pas très peu en français. Et je me permets... De reprendre un peu aussi les notions théoriques, ce qui est par exemple la resyllabation. En français, c'est dû à la liaison. Là, vous avez des exemples où il y a la dernière consonne qui devient vivante. Alors, là, vous avez un exemple. Il y a là de nouvelles syllabes qui naissent, évidemment. Là, vous avez l'exemple, un grand ta, mi. Puis, enchaînement consonantique. Là, vous avez un autre exemple, une grande mi. Ce qui est une grosse part de cette problématique, c'est le jeu du écaduc. Alors là, vous voyez que le nombre de syllabes est augmenté ou il a diminué. Exemple, petit, petit. Pas petit, qu'on peut entendre à l'école, évidemment. Et puis, il y a ce qu'on appelle assimilation régressive. Dans le sud de la France, on peut entendre médecin, mais en français standard aujourd'hui, on entend médecin. Pas de chance, mais pas de chance. Alors, là, il y a quelques exemples. Évidemment, ce caractère lié est donné aussi à ce qu'on appelle enchaînement vocalique. Là, vous avez exemple, tu es à l'école, donc justement le manque des coups de glotte. Aujourd'hui, j'aimerais bien travailler avec vous des exemples très concrets de ce qu'on peut faire dans le cours pour augmenter les capacités de bien prononcer, parce que tout est dans une relation profonde. En langue. Là, notre collègue va vous envoyer après ce séminaire un schéma qui est très intéressant, vous pourrez l'étudier. Ça vient d'un livre de Bernard Dufeu, Importance de la prononciation. Et ça concerne non seulement l'effet linguistique, mais aussi personnel. Même dans une étude, j'ai lu que parfois, il y a des empêchements du côté des personnes qui ont peur de perdre leur identité. D'accord? Donc, chez nous, on dit c'est vrai que on peut le voir aussi dans le contexte de la prononciation. Parfois, on a peur de perdre sa propre prononciation dans la langue maternelle. Là, j'aimerais bien soutenir que la production et la compréhension, ça marche vraiment comme des bases communicantes. Tout est lié. Quand on produit bien,
on comprend beaucoup mieux. Et évidemment, d'abord, il faut comprendre pour bien produire. D'accord? Là, je parle surtout du niveau phonématique dans l'entraînement dans les syllabes, quand on parle, quand on entraîne les phonèmes. Et puis, il faut voir une chose, moi, je dirais primordiale, c'est que l'unité de perception et de production, c'est une syllabe. Donc, une tâche à nous, c'est développer constamment l'habileté à segmenter la parole. Comment on peut le faire? Via quel document? Là, vous avez vu un peu ce que je fais dans la vie, ce qui m'est très proche. Et ce qui est très proche de tout ce qui est sonore, c'est évidemment la chanson, la comptine, la poésie dans le cours de FLE. Alors là, vous avez justement tout ce qui peut être développé par justement ce type de texte. Sous le numéro 3 se cache un texte qu'on a fait il y a une dizaine d'années avec Radka Modrochová, Friedrichová. Alors là, c'est travailler à fond, mais via ces textes, on peut vraiment faire tous les contenus linguistiques. Et alors, en phonétique-phonologie, c'est la prononciation des sons, tout ce qui est le rythme et mélodie en un mot, intonation, les pauses, etc. Et là, on peut prendre quelques exemples. Là, on a vraiment quelque chose de simple. Moi, j'essaie de choisir quelque chose pour les professeurs des publics très divers. Et là, je peux vous dire que ce sont des petites choses que j'utilise dans mon travail au quotidien. Donc, à l'université, j'ai enseigné la didactique, je l'ai fait avec les étudiants, je l'ai fait à l'école primaire il y a des années, et je suis vraiment très contente de le reprendre dans la classe de FLE avec des lycéens. Et je peux vous dire que c'est très bien accepté par tous les publics, avec les petits et les grands. Donc, là, vous avez pour chaque exemple, il y a quelques remarques, j'apporte des commentaires, et puis si vous avez des questions, on peut traiter les questions à la fin. Je pense que ça va être, j'espère que ça va être compréhensible de ma part. Donc là, vous avez le M final. Essayons de dire madame, me. Alors, les lèvres ne restent pas fermées, mais là, la bouche s'ouvre un peu, donc on peut l'entraîner via cette petite comptine, am, stram, gram. Et puis, on entraîne l'enchaînement, pique, pique, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, am, stram, gram. Là, à droite, vous avez le nombre de syllabes, ce qui est un gros avantage de ces petits textes, parce qu'il y a un rythme qui est donné, justement. Donc, là, passons ensemble un moment agréable. Donc, je vous invite à réciter avec moi devant vos ordinateurs. D'accord? On va bien rythmer. Amstram, gram, pique, pique, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram. Et ça marche très bien. On peut l'utiliser comme comptine. Celui qui est dernier peut accomplir une tâche, etc. Un deuxième exemple. Moi, j'aime beaucoup ce petit poème. Regardez ce qu'on peut travailler. Déjà là, on sensibilise à une certaine élasticité du français. Là, vous avez l'exemple de je mets, donc il y a un E qui tombe, en fait, au service du rythme. Regardez, donc il y a partout les quatre syllabes. Et puis, il y a la liaison. Justement, ce que je recommande aussi, c'est l'habitude de souligner justement la consonne qui est liée. Et ce qui est aussi souhaitable de le présenter comme ça, parce que justement, vous avez
Un groupe rythmique en entier, et la dernière syllabe, c'est la syllabe accentuée. Donc, on va légèrement prolonger. Et puis, là, vous avez les flèches qui montent l'intonation montante, l'intonation descendante, qui pose un problème à nos élèves, même en tchèque, je dirais. En fait, les phrases affirmatives deviennent questions, souvent. Donc, on va essayer de réciter, si vous voulez, ensemble. Quand il fait beau, je mets un chapeau. Quand il fait froid, je reste chez moi. Quand il fait chaud, je prends de l'eau. Et quand il pleut, c'est merveilleux. Alors là, vous avez en vert aussi la première syllabe du mot merveilleux. Alors là, il y a un accent qu'on appelle l'accent secondaire. Sur les accents primaires sont à la fin, justement, des groupes rythmiques qui égalent là des vers. Voilà. Un autre exemple pour travailler la semi-consonne. Là, il y a un tout petit poème, une partie d'un poème, ce qui est aussi bien de rythme. On peut essayer ensemble. Monsieur Miroir marchand d'habits est mort hier soir à Paris. Il fait nuit, il fait noir, il fait nuit noire à Paris. Et donc, dans le cadre d'un petit poème, d'une comptine, on peut vraiment mieux apprendre même des semi-consonnes qui n'existent pas en tchèque. Parce que vous savez qu'il y a plein de voyelles qui n'existent pas en tchèque. Alors justement là, on voit en rouge, en plus il y a des graphies qui sont différentes, donc c'est pour aborder justement ces grosses interférences avec le tchèque. Un exemple des voyelles nasales, on va essayer. Après l'hiver, il fait beau temps, les champs sont verts, c'est le printemps. Et par exemple, ce petit poème, il est souhaitable et il est beaucoup plus efficace de l'apprendre sans support texte. Si regardez le mot « temps », vous avez certainement l'expérience. Nous, les Tchèques, on est habitués à prononcer tout ce qui est écrit. Alors, les élèves ont la tendance de prononcer « me »,« peu », peut-être pas ce, mais un peu. Alors, c'est très court et c'est tout à fait imaginable de le faire d'abord sans support texte et puis montrer le texte. D'accord? Donc, moi, je dirais que c'est la remarque principale de travailler justement cette problématique d'abord sans support texte qui peut être trompeur là. Là, pour travailler les voyelles versus voyelles nasales versus consonnes nasales, ce qui se propose très bien, c'est le début de la chanson d'automne, que vous connaissez certainement tous et toutes. Alors, on peut essayer ensemble. Chanson d'automne. Donc, le « ne », qu'on va vraiment, on va exiger une bonne prononciation de ce « ne ». Chanson d'automne. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Paul Verlaine. Donc c'est très beau, les élèves peuvent apprendre par cœur et puis ils peuvent vraiment déguster la belle sonorité pour laquelle ils se sont inscrits dans le cours de français, n'est-ce pas? Si on parle de la progression dans l'enseignement de la phonétique, dans l'enseignement plutôt de la sensibilisation aux sonorités du français, c'est plus joli. Alors là, je me permets de prendre, peut-être présenter à quelqu'un ou rappeler l'existence d'un manuel qui s'appelle Le français entre nous. Là, c'est la deuxième version, retravaillée plus. Là, vous avez les références.
Donc, vous avez les années, donc c'est tout récent. Il y a 4 co-auteurs. Il y a certainement des personnes qui connaissent toutes les 4 personnes. Ce qui est assez intéressant, l'équipe est issue de l'Association tchèque des professeurs de français, finalement. On se connaissait de là-bas. Et c'était la créatrice qui Fraus Pesegn qui était près d'éditer. Donc, on est très content d'avoir ce manuel qui est destiné vraiment à l'enseignement des Tchèques. Et je me suis permis de prendre en titre d'exemple cette méthode parce que tout ce qui est la phonétique, c'était moi, évidemment, complété et parfois commenté par mes collègues. Et alors là, justement, il y a 3 niveaux. Et notre approche était telle que, justement, dans le premier niveau, qui est A1-1, il y a la phonétique travaillée de façon implicite. Donc, vraiment, on ne donne pas d'explication, surtout au niveau de relations son et graphie. C'est justement le niveau A1. Donc, le niveau 2, ça sonne bien français, où il y a les relations graphiques qui sont présentées. Et puis, au niveau 3, donc, qui est le niveau A2 vers B1, alors là, on est vraiment explicatif. On explique les phénomènes du français comme liaison, enchaînement, le caduc, donc le E instable, etc. Donc, si nous prenons le premier exemple, j'adore ce petit exercice qui est d'ailleurs un petit virlan français, piano, panier. Pourquoi il est souhaitable de prendre justement ces 2 mots? Parce qu'il y a une opposition totale en ce qui concerne la prononciation, l'articulation. Alors, vous avez le O fermé, complètement arrondi, et puis vous avez panier. Donc le E fermé, donc les lèvres tirées, et alors les élèves ont ils se rendent compte qu'il faut vraiment faire travailler les lèvres, d'accord? On peut essayer ensemble, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Donc les lèvres ne peuvent pas être paresseuses. Donc on peut faire des jeux. On peut accélérer le rythme, on peut diminuer, on peut parler piano, forte, etc. Ou bien, là, vous avez encore un autre exemple, un taxi à taxi, taxi. Et là, vous voyez le phonème qui est ciblé, le i. Et on le fait, évidemment, d'abord sans support texte. Puis seulement, les élèves regardent, évidemment, dans la manière. Et on peut jouer un taxi à taxi, taxi, comme question. On peut manifester une déception. Un taxi à taxi, taxi. Là, on va encore parler un peu de tout ce qui s'appelle la prosodie, la manifestation aussi des émotions, etc. Donc, le niveau 2, alors là, vous voyez, c'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de manuels, hein, d'ailleurs. Alors là, il y a aussi ce qui est ciblé et marqué en gras. Et il faut absolument poursuivre par l'entraînement. Donc, il y a l'écoute, il y a la répétition. C'est ce que nous faisons, nous tous, hein, je pense. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les exercices de la discrimination phonologique. Alors là, si vous regardez en bas, là, qu'est-ce que tu entends? Souligne la bonne variante. Donc, ce sont des exercices très efficaces. Alors là, vous voyez, cet exemple est ciblé vers la distinction entre le passé composé et l'imparfait. Je recommande de bien préparer cet exercice de la compréhension.
Ça veut dire, on va lire d'abord la colonne à gauche, puis la colonne à droite, puis on va lire la ligne, et puis seulement on va écouter. Donc, ce sont tout ça, c'est un exercice qui devrait précéder tout ce qui est la compréhension orale dans le sens propre de la compréhension des textes. Et donc là, vous avez un exemple dont j'ai déjà parlé, ça veut dire la resyllabation. Alors là, on a l'exemple de ce qui est l'enchaînement consonantique et en bas, l'enchaînement, la liaison, pardon. Donc les élèves devraient comprendre que les syllabes écrites ne sont pas les mêmes que les syllabes prononcées. Là, vous avez un exemple en haut et en bas d'ailleurs aussi. Voilà. Il y a aussi des poèmes. Moi, j'utilise beaucoup les poèmes pour l'apprentissage en fait, de la grammaire. Là, il y a des poèmes qui se proposent vraiment pour travailler la grammaire et la phonétique à la fois. Là, vous voyez, c'est la conjugaison de futur simple de maître. Et ce qui est très bien, que c'est aussi rythmé. Ça peut aider énormément, surtout aux types qui sont auditifs, n'est-ce pas? On va essayer ensemble. Et là, on voit aussi le jeu de E qui tombe complètement au service du rythme. Donc, c'est quelque chose comme un valse, valsique, d'accord? La valse. Je mettrai, on va commencer. Je mettrai dans le métro un grand pré. Tu mettras dans le métro deux gros chats. Il mettra dans le métro trois villas. Nous mettrons dans le métro quatre oursons. Vous mettrez dans le métro cinq bouquets. Ils mettront dans le métro six bisons. Il y a encore une image dans le manuel. Alors, même les élèves qui ne sont pas très, très, très intéressés par l'apprentissage sont vraiment prêts à réciter, à jouer avec, avec les sons. Là, à droite, parce que vous savez très bien que la motivation, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour l'apprentissage. Et alors là, à droite, j'ai mis un poème que vous le connaissez. Je pense que dans la plupart des cas, vous connaissez. Parce que même les débutants, ils peuvent apprendre dès le début « Pour toi, mon amour ». En plus, si vous imaginez une classe des élèves de 15, 16 ans, alors ils sont vraiment, vous savez, c'est la problématique, les amours, les premiers amours. Alors là, vous récitez et les élèves récitent avec vous, vous donnez un signe « Pour toi, mon amour ». Et ce qui est bien, il y a le « ou ». Qui est plus profond en français. Donc, c'est un entraînement à cette voyelle. Là, vous savez aussi que parfois, ils ont du mal à distinguer « ou » et « u ». Parce que dès qu'ils apprennent « u » dans « salut », ils mettent le « u » partout. D'accord ? Donc, il y a des petites choses comme ça qui peuvent faciliter l'apprentissage de nos élèves. Mm-hmm. J'ai encore un exemple qui concerne justement les émotions, donc les attitudes, émotions, expressivité. Et là, j'ai mis un exemple justement du manuel, c'est niveau 2, déjà au niveau A1. Là, je vous montre de quoi il s'agit, vous pouvez lire la consigne. Et alors là, l'enregistrement est tel. Manuel, page 63. Ça sonne bien français. 1. C'est super! 2. C'est super! 3. C'est super. 4. C'est super. 5. C'est super! Mm-hmm. Évidemment, on peut continuer, on peut jouer avec, là, je mets sur le tableau
je ne peux pas dire phrase, parce que vous voyez, il n'y a pas, on ne sait pas ce que c'est. Et les élèves, justement, attribuent une mélodie et le reste de classe essaie d'imaginer la situation dans laquelle on peut entendre une telle expression manifestée par la parole. Donc, vous pouvez essayer. Si la fille est vraiment sympathique, on dit « cette fille est vraiment sympathique ». Si elle n'est pas sympathique du tout, tout le contraire, cette fille est vraiment sympathique. Et alors, les élèves devraient comprendre que justement, cette manifestation des attitudes, c'est quelque chose de très important. Même en tchèque, on dit « nevadime, co říkáš, ale jak to říkáš ». Et alors, là, c'est un élément vraiment important à travailler. On peut bien s'amuser, vous pouvez imaginer. Justement, en bas de ce diapo, j'ai mis un renvoi. Si vous voulez jouer avec les rimes, il y a une page excellente, je l'ai trouvée par hasard. Parce que de temps en temps, j'invite les élèves à créer leurs propres poèmes. Et là, c'est un instrument qui est très, très bien. Ils apprennent un nouveau lexique. Et là, c'est à vous d'explorer. D'accord? Là, on a dit qu'un des problèmes de la compréhension des sonorités sont les registres de langue. Alors, c'est pourquoi, déjà dans le niveau 2, donc au niveau A1, on a un exercice, en fait un dialogue. Je suis vraiment fière. Alors là, vous allez voir, il y a deux enregistrements. Le premier, c'est le texte qui est dans le français dit standard. Et puis le deuxième, essaye de simuler le français qui est plus familier. En fait, vous imaginez tout ça, ce sont des textes didactiques. Donc, en réalité, c'est jamais tout à fait comme ça. Mais quand même, c'est une activité qui peut sensibiliser les élèves au français familier. Et alors, les élèves sont invités à chercher les moments des changements phonétiques. Alors là, les changements sont marqués pour vous. Vous allez reconnaître, mais j'ai profité de ce diapo. Et alors, écoutez comment c'est fait. Leçon 5. Ça va mieux? Manuel, page 50. Dialogue 1. Je ne me sens pas bien. Salut Clarisse, ça va? Tu n'as pas très bonne mine aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Je suis fatiguée. J'ai mal à la tête et je suis très enrhumée. Ah, tu as pris froid hier à la piscine. Je ne sais pas, ce n'est pas grave. Mais écoute, tu as de la fièvre, tu dois aller chez le médecin. Salut Clarisse, ça va? T'as pas très bonne mine aujourd'hui? Je me sens pas bien, je suis fatiguée. J'ai mal à la tête et je suis très enrhumée. Ah, t'as pris froid hier à la piscine. Bof, je sais pas, c'est pas grave. Mais écoute, t'as de la fièvre, tu dois aller chez le médecin. Vous voyez, sympa, non? D'habitude, les élèves découvrent tous les endroits avec des changements phonétiques. Et évidemment, nous, on n'est pas là pour qu'ils apprennent à prononcer comme ça. Non, non. C'est vraiment la sensibilisation. C'est destiné à l'écoute. Hein? Et puis, quand les élèves font des petites conversations. Alors là, on ne les corrige pas. Quand ils disent « je suis… pourquoi pas ?» Quand ils font des petits jeux de rôle, il ne faut pas le corriger. Évidemment, pas au début de l'apprentissage, mais si c'est les élèves qui quand même sont au niveau intermédiaire, on ne peut pas les corriger parce que le français, c'est comme ça. Le français parlé, évidemment. Et là, j'ai quelques recommandations, quelques ouvrages que vous pouvez explorer, découvrir pour votre auto-formation, pour votre travail. Donc, tout d'abord, là, j'ai cité Pierre Léon. Et là, vous avez deux ouvrages,
justement phonétisme et prononciation du français. Alors là, il s'occupe surtout des phonèmes dans des contextes différents. Et puis, phonostylistique, évidemment, est ciblé plus vers tout ce qui est la prosodie. S'il y a parmi nous, je ne sais pas, aussi les futurs professeurs ou les professeurs qui sont en formation initiale, ceux qui font une formation initiale, alors je les recommande vivement de voir ces deux ouvrages. Vous avez un ouvrage de François Violant, c'est quelqu'un qui a visité plusieurs fois la République tchèque. Et c'est un grand linguiste et didacticien, d'ailleurs comme Pierre Léon. Et là, il a un ouvrage magnifique hein, qui s'appelle « La vie sociale des sons du français », où il prend des sons comme des êtres humains et il explique quelle est l'interaction entre des sons, comment ils s'influencent mutuellement. Il y a toujours des petites anecdotes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sec et vous pouvez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, il y a un ouvrage très intéressant. Vous voyez dans l'équipe aussi Pierre Léon. Et c'est la phonétique du FLE, prononciation de la lettre au son. Alors là, ils reprennent la méthode grammaire traduction finalement et l'équipe prend comme base des lettres et ils montrent justement des relations lettres-son à partir des lettres. Donc intéressant. Et là, il y a un ouvrage qui date, mais qui utilise les éléments de l'approche verbotonale, qui m'est très proche. Et par exemple, ça, pour le U, I, O, c'est formidable, car on utilise le gestuel. C'est aussi à découvrir. Il y a certaines parties que vous allez aimer. Et peut-être il y a des collègues qui utilisent justement ces images ou ce gestuel dans le cours du FLE. Et puis, pour le travail en classe, là, vous connaissez certainement la série progressive de Schaeckle International. Moi, j'aime beaucoup surtout le premier niveau et donc les débutants et les avancés. Là, je le recommande. Il y a tout. Il y a la phonématique, il y a tout ce qui est la prosodie, donc le rythme, les attitudes, tout ça. Et puis, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup aussi, audition, prononciation, correction. Ça, c'est surtout pour les niveaux A2, B1, la phonétique. Là, c'est une autre série, technique et pratique de classe. Vous connaissez certainement cette série d'ouvrages. Et encore de chez Presse universitaire de Grenoble, la prononciation en classe. Alors là, il y a des fiches pédagogiques excellentes aussi, à découvrir. Peut-être vous l'avez dans votre bibliothèque scolaire. Et évidemment, on peut très, très bien travailler les sons via les activités théâtrales. Moi, je dirais que c'est un moyen excellent. Faire des petits spectacles, travailler la phonétique de façon vraiment très naturelle et spontanée. Et pour ceux qui aimeraient bien travailler les registres, là, il y a un ouvrage qui, ça fait 10 ans, qui est paru, quelque chose comme ça, « Les variétés du français parlé dans l'espace francophone ». Et de toute façon, vous devriez trouver, moi j'ai vérifié, la page existe toujours, et c'est le projet du français contemporain. L'ouvrage est paru chez Ofris, donc on peut l'acheter avec un CD, mais il y a maintenant la possibilité de voir. Ce projet consiste en présentation des variétés du français parlé, mais aussi actuellement il y a un projet où il y a justement les intercompréhensions,
Ça veut dire il y a le français est la langue du monde. Je ne sais pas où en est le projet français-tchèque. Il faut que je pose la question à mes collègues qui enseignent actuellement la phonétique phonologie à l'université, si ça a bougé, mais je sais qu'il y avait ce projet-là aussi pour le tchèque. Et bon, en guise de conclusion, on peut donc faire le résumé de quelques principes didactiques dans l'enseignement du FLE, si vous permettez. Donc, dès le début de l'apprentissage, il faut faire la phonétique. Donc, ce n'est pas quelque chose comme matière rajoutée. Hein. Donc, il faut donner envie à s'ouvrir aux nouvelles sonorités, à la découverte de ce que Elisabeth Lott définit comme un paysage sonore, donc exposer les élèves aux sonorités du français, aux sonorités des Français, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Français. En fait, il y a un français standard, mais la prononciation diffère hein, d'une région à l'autre. Et puis, il faut habituer les élèves aux nouvelles habitudes articulatoires, évidemment, parce que, évidemment, notre perception, c'est via notre langue maternelle. Et si on apprend à articuler d'autres sons, donc on va comprendre beaucoup mieux, parce que, vous avez vu, ce sont les bases communiquant la production et la perception. Et... évidemment, il faut anticiper les interférences. Donc là, vous qui enseignez, qui êtes professeur chevronné, vous savez déjà quels sont les problèmes. Mais même sans expérience, on peut anticiper les problèmes si on connaît bien la base articulatoire du tchèque et la base articulatoire du français. Donc, on voit qu'il y a des sons qui n'existent pas en tchèque. Alors, c'est là le moment qu'il faudra travailler davantage. Il ne faut pas oublier que c'est la prosodie qui est aussi une partie très importante de ce qu'on appelle la phonétique. D'accord? Oui, ce qui est très important, c'est ne pas travailler les mots isolés. Là, vous avez compris. Justement, François Violant, il parle des mots lexicaux et des mots rythmiques. Donc, il faut travailler les mots lexicaux dans le cadre des mots rythmiques avec l'accent sur la dernière syllabe d'un groupe rythmique. En plus, pourquoi le travailler? Parce qu'un mot rythmique, c'est un mot de sens, c'est une unité de sens. Alors, ça permet de beaucoup mieux comprendre quand on sait distinguer des mots rythmiques, donc groupes rythmiques. Et il y a quelque chose à recommander, et c'est un cours oral au début de l'apprentissage. Si vous avez étudié l'ouvrage, ou peut-être vous connaissiez M. Joseph Heinrich en personne, là, il a beaucoup plébiscité pour un cours audio-oral de quelques semaines ou de même quelques mois au début de l'apprentissage. Et c'est ce que nous proposons aussi dans notre manuel. Nous proposons de travailler le premier chapitre d'abord sans support texte, des petits dialogues, une chanson, des petites expressions comme ça. On peut compter jusqu'à 20, on peut découvrir les mois de l'année. En plus, il y a le support en anglais, en quelque sorte, n'est-ce pas? Par exemple, pour les mois de l'année, bon, il y a des ressemblances. Et ce qui peut être aussi, évidemment, un piège, un empêchement d'une bonne prononciation, la connaissance de l'anglais. Mais au niveau du lexique, c'est très bien. Un cours audio-oral, il est vraiment c'est quelque chose à proposer. Et je répète, des petits textes, travailler d'abord sans support texte. Et évidemment, la richesse des supports pédagogiques est tout à fait souhaitable parce que c'est motivant. Tout ce qui est motivant, ça sert à nous, en tant que pédagogue, ça sert à nos élèves. Et évidemment,
On peut, si vous voulez vraiment faire l'évaluation de la perception, là, en fait, il est souhaitable de faire ce qu'on appelle évaluation formative, parce que l'élève devrait savoir où en sont. Donc, justement, des petits exercices de discrimination phonologique sont souhaitables. Les fiches d'auto-évaluation sont proposées sur Internet ou il y a peut-être certains manuels qui proposent des fiches d'auto-évaluation aussi pour la phonétique. Ce qui est aussi souhaitable, ce qui est un peu oublié, c'est la lecture à voix haute. Et quand vous avez des groupes qui sont plus nombreux, moi, imaginez un miracle. J'ai maintenant deux groupes de débutants où il y a une vingtaine de personnes. Là, vraiment, je me pose la question comment je vais faire, mais ça marche. Justement, on travaille beaucoup en deux, on travaille beaucoup à cœur, donc ensemble, parce qu'il faut que les élèves parlent le plus possible pendant le cours, c'est clair. Parfois, je leur dis, je suis votre unité de contrôle, donc je lis à voix haute, vraiment en forte, et ils lisent, mettent son forte, et comme ça, ils ont une unité de contrôle en moi. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut encourager les élèves à s'enregistrer, et puis ils peuvent comparer peut-être avec des enregistrements qui sont à leur disposition, ou la correction entre pairs, ça veut dire les élèves se corrigent entre eux. C'est tout à fait enrichissant et vous voyez, il y a d'autres objectifs qu'on suit, donc ce qui est vraiment une coopération entre les élèves. Donc, il y a plusieurs objectifs suivis. J'aimerais terminer par une citation de Francis Carton. C'est vraiment un des anciens, c'est un phonéticien pédagogue. Et là, il dit que rien n'est imposé aujourd'hui. Là, je vous laisse lire. Mais là, j'ai souligné le mot éclectisme. Donc, tout ce qui est bien dans les méthodes qui ne sont pas les méthodes modernes, la méthode grammaire-traduction, la méthode directe, alors là, on peut tirer tout ce qui est bien pour nous, tout ce qui est bien pour nos élèves. Et nous avons nos propres expériences, et alors profitons de nos expériences, mais restons ouverts parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Là, j'ai mis quelques notes de la bibliographie, en fait, juste quelques notes. Et là, vous avez le contact mail. Si vous voulez, on peut se parler au téléphone. Donc, je vais vous envoyer mon numéro de téléphone, où je vous dis tout de suite. Et là, je me suis permis aussi de mettre, parce que vous avez entendu que je travaille pour l'Association tchèque des professeurs de français. Alors, c'est à vous qui n'êtes pas nos membres de découvrir aussi la page web de la SOUF, là c'est le logo, et c'est une association qui est là pour vous, mais elle ne pourrait pas exister sans professeurs, donc vous êtes invités à nous joindre, et vraiment je suis persuadée que vous n'allez pas être déçus par cette décision. Alors merci beaucoup. Et là, je vois peut-être questions ou remarques. Vous voyez aussi les questions. Non, le français entre nous, c'est... Oui, au début, c'était destiné... Écoutez, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est français et ne parle pas tchèque? Tak já bych si dovolila tedy diskusi, když tak vést už v češtině. Neplánujeme, ta učebnice měla původně mít 5 dílů, měla být až do maturity.
ale kvůli různým okolnostem vyšly první dva díly pro základní školy. Vzhledem k tomu, že učebnice byla úspěšná, nakladatelství nás vyzvalo ještě vydání třetího dílu až do úrovně A2, jak už jsem zmínila, opravdu zasahuje do úrovně B1 a při šikovném doplnění úplně postačí pro maturanty. Úplně postačí, jo. Takže jinak já osobně doporučuji, pokud pracujete rychleji, tak tři díly plus nějakou vyšší učebnici, vyšší nivo francouzské metody. Bohužel. A myslím, že dlouho žádná učebnice česká nevyjde, protože si sledujete trošku, co se děje tedy v našem školství, nakladatelství. Školy nemají peníze na učebnice, takže nakladatelství zmírají, takže asi dlouho učebnice česká pro české žáky, učebnice, která zohledňuje interference mezi češtinou a francouzštinou opravdu nebude. Bude to na nás, abychom tohle vychytávali. Doufám, že naše učebnice může být dobrým pomocníkem. A jo, ano, na začátku opravdu doporučuji, jak u dětí, tak adolescentů i dospělých pracovat aspoň v prvních lekcích bez té podpory textu, protože my Češi jsme opravdu zvyklí, my máme fonologický pravopis, jo, čili co je u nás napsáno, tak to čtem, kromě nějaké spodoby na konci slov, jo. Takže to je opravdu velký náraz, jenom když se vezmeme, já dávám studentům příklad slovíčka třeba bonjour, tam jsou opravdu čtyři odlišnosti, jo, vzhledem k češtině. Takže ti studenti nejsou zatížení nějak tím pravopisem francouzských slov. Jo, a mnohem s nás se jim proniká, mnohem lépe vnímají vlastně zvukovou stránku jazyka bez podpory textu. Pak můžete to též vzít s podporou textu. Jo, pak je zase bude bavit objevovat ty souvislosti, ale určitě bych to nedělala například na, pokud někdo učí na prvním stupni vůbec. Vůbec prostě, ani bych nepsala už dneska. Také mám zkušenost s výukou na ZŠZRVJ a vím, že bych dneska ve třetí třídě bych vůbec nepsala s dětma. Jenom bychom dělali dialogy, zpívali, recitovali, hráli hry a tak. Na základní škole záleží, jo. Pokud francouzština jako první jazyk, já vím o jediné škole, brána jazyků, kde učí francouzštinu od začátku, ale nepoužívají naši učebnici, protože ona je opravdu určená až žákům prostě náctiletým, jo, 13, 14. Dá se využít opravdu i na střední škole, protože tam zase postupujete hodně rychle a zase ta učebnice není takzvaně nabušená, čili ona opravdu nám dává prostor uplatnit materiály, které jsme nezbírali jinde a na které nám nezbývá čas. Když se vezmeme, necháme koupit drahou učebnici studentům, tak nemůžeme přeskakovat stránky a doplňovat vlastní materiály, jo? Takže má své výhody. První dva úplně postačí. Jo? Navíc jako na základní škole výstupem je úroveň A1. A ty první dva díly jsou určené pro dovršení A1. Jo, takže určitě první dva díly, ten třetí můžete dokoupit, ale záleží taky na počtu hodin, ale většinou jsou to 3 hodiny, že jo. A ne vlastně v každé třídě. Pokud máte jakoby regulérní kurikulum, tak máte 6 hodin celkem, takže někdy jsou to 2, 2, 2, někdy jsou to 3, 2, 1, jsem viděla model už, někdy 3, 3, 8., 9. třída. Takže dva díly, jo, třetí, když tak dokoupit, ale myslím, že k němu nedojdete. Ale druhý díl je prima. Velmi dobře se podle něj učí opravdu základní témata, které žáci potřebují pro základní komunikaci ve francouzském prostředí. Já tady doufám, že ta dnešní schůzka aspoň částečně splněla vaše očekávání. Že vám umožnila si připomenout některé věci, které třeba v tom běhu dní zapomínáme, že vás třeba přivedla k nějakým úvahám, jak třeba rozvinout tu dovednost fonetickou, fonologickou u našich žáků. Určitě já budu velmi ráda, když
dostanu nějaké reakce a třeba opravdu tipy od vás, jo, s čím pracujete. Jinak vy samozřejmě budete mít k dispozici celou tu prezentaci, takže tam máte i ty drobné básničky, se kterými se dá pracovat. Jinak existují takové různé typy, my jsme tady se nebavili o korektivní fonetice. Samozřejmě jsou děti, které vůbec nepotřebují opravovat, opravdu jsou jako opičky nebo i dospělí, kteří naprosto přesně napodobí zvuky. Jsou ovšem lidé, kteří mají problém napodobit nějaký zvuk a takovým zvláštním paradoxem v mém životě je, že já jsem to 9 let neuměla říkat ř. Já už jsem to na nějakém semináři vyprávěla, ale mně pak stačila opravdu úplně jednoduchá taková jako rada. Sevři, uměla jsem dobře ryu tedy. Sevři rty a řekni ryka, ryka, a ono opravdu z vás vypadne ř. A od té doby už jsem nikdy neřekla špatně ř. A stačila opravdu úplně jednoduchá rada, co dělat. Navíc teda to byla jako věc, že jsem bydla ve Stříbře, jo? Takže jsem pak bydla ve Stříbře a byla soupě nadšená. Čili takové jednoduché věci, když žákům nejdou nosovky, naznačte, že musí brada padnout dolů, že jo, samozřejmě učte na on, to bude nejjednodušší, musí nechat jazyk dole, myslím se jazyk dotknout patra, protože tím pádem vysloví n, že jo. Třeba nosové n, taková rada, třeba venca, samozřejmě ven, není žádné nosové e, ale pocitově tam my říkáme venca, venca, pocitově, vedeme hodně přes pocity, tak můžete zkusit ven jako první slabiku a mají slovíčko 20, jo, nebo víno, když učíte starší. Takže pomáhat si tímhle způsobem. Zastavili jsme se třeba u výslovnosti r. Pokud se žákům nedaří vyslovit r, to dorso uvulární francouzské, není to tragédie, protože to R nemá distinktivní funkci v současné francouzštině. V každém případě patří to do toho repertoáru francouzských zvuků, takže zase jsou různé metody. Výborně se učí třeba skrz to Amstram Gram, jo. A já jsem tady viděla, že k nám taky přišla na schůzku paní Vladimíra Dvořáková. Určitě to ona, Vladimíra Dvořáková, velmi zkušená paní učitelka, která nám kdysi na semináři dala radu, jak dětem přiblížit to R. Takže my se vlastně posunujeme k, g, ch, r, a aga, acha, ara. A opravdu to ch naše české je artikulováno blízko francouzského r. Jo? Čili my jdeme přes to známé a třeba se to dětem podaří nejdřív nějaký tý mediální poloze, někdy možná ve finální nebo na začátku, ale časem si ten zvuk osvojí. A pokud ne, pokud třeba mají i strach, opravdu, jak jsem se bavila z toho strachu ze ztráty identity, tak není třeba opravovat, protože opravdu ve francouzštině to nemá distinktivní funkci a dokonce jsou frankofoni, kteří nevyslovují to dorso uvulární r. Jo? Takže pomáháme si všemi možnými způsoby. Nějaké konkrétní písně do výuky fonetiky a francouzštiny ve škole. Helejte se, v podstatě každá písnička se dá nějak využít. Já jsem tady nezmínila svou oblíbenou píseň Au clair de la lune, kdy vyslovujeme vlastně lune, lune na 2 slabiky. To se mimochodem hodně objevuje ve francouzské vokální tvorbě klasické. Všechno tohle je, a mimochodem my tam máme spoustu těch veršovánek, které jsme si spolu říkali, tak oni se dají jakoby zaspívat, že jo. Vy znáte třeba 1, 2, 3, je vais dans les bois. Francouzi si to i zpívají. 1, 2, 3, je vais dans les bois. Nebo třeba máme takovou říkanku, tak zrovna jsme to dělali taky ze studenty. À la salade, je suis malade. Au céleri, je suis guéri. A dá se to zpívat. S nima jsem teda nespívala, ale s malýma bych zpívala. À la salade, je suis malade. Au céleri, je suis guéri. To jsou taky prostě jednoduché věci a najdete jich spoustu, pokud byste učili mladší děti, na třeba mom.net,
A tak dneska s internetem máme opravdu spoustu možností, ale jinak hodně těch podnětů je právě teda v naší učebnici mimochodem. Jsou dialogy v učebnici, nemáme je číst? Jo, určitě, dialogy v učebnici, určitě. Já bych ani neřekla číst, ale dramatizovat. Dramatizovat, jo, opravdu dát jim šťávu. A vy jste slyšeli dialogy, my jsme se opravdu snažili o nějaké vyjádření jako emocí. Mimochodem, ty dialogy pro nás dělali děti z francouzského lycea v Praze, přesně divadelní kroužek. A byla to moc hezká spolupráce. Takže skutečně jako dramatizace a samozřejmě můžou se pak učit z paměti a jsou vždycky vyzývány k nějaké obměně, že jo, k vlastní jako aplikaci. Máte jako jak změnit strach dětí z mluvení? Já myslím, že třeba to mluvení sborem, protože to dítě tam jako, rozumíte, v podstatě mluvit, to je hodně intimní záležitost, my si to neuvědomujeme. Pro někoho to může být strašně intimní záležitost, slyšet svůj hlas a vlastně je tam jak nahý v trní, jo. Čili mluvení sborem je velmi dobré i právě v tom, že se to dítě v tom jako ztratí. A my pak kontrolujeme, tak všichni víme, že bychom měli skutečně uplatňovat nějakou diferencovanou výuku. Určitě by dítě nemělo mít známky jenom psaného projevu, že jo, ale zmluveného. A třeba dvakrát za to poletí minimálně si opravdu po jednom ty děti vzít dozadu, vzít si s nima nějakou krátkou konverzaci, chtít třeba něco přečíst, bez přípravy a s přípravou, jo, to všechno se dá zařídit a zaměstnat nějakým jiným způsobem ostatní. A prýma, když tam třeba jsou ty děti najednou dvě nebo tři, že oni zároveň se pomáhají nebo se opravují a tak. A myslím, že třeba zrovna tyhle ty rytmizované věci, že taky můžou pomoct od toho strachu z mluvení. Vincent. No, s Vincentem, Vincent se to, Vincent, ale Vincent ne. Je dobrý Venca, je dobrý Tonda, Banka je výborná, Banka. Protože Banka je opravdu ortofonicky správně česky, že jo, Banka. A to je opravdu hodně podobné tomu francouzskému bank. Jak říkám, my vytváříme právě to uvědomění si, to pocitu, kde ten zvuk ve mně vzniká. Že jo? A ještě bych měla určitě zmínit jednu věc. Zapomínáme dýchat všichni, i žáci. Takže vést je k tomu, když něco děláme, aby opravdu i si nechávali vždycky pauzu nádechovou. Jo, není vůbec jako smyslem něco vzít jako šmahem, takže dýchání. A mimochodem my teda často začínáme tím, že žáci většinou že stojí, určitě ti mladší a někdy zvednu i ty starší a opravdu dýcháme, což je takový prvek i uvolnění. Děti by měly mít ramena dole. Samozřejmě mě třeba hodně pomáhá to, co běžně jsem dělala s žáky v hudební výchově. Vlastně to uplatňuji i dneska, jo. No, jo, samozřejmě, Vincent francouzsky. Jo, jo, ok. Jo, mě taky mrzí, už není pokračování, ale zase. Vůbec není na škodu si opravdu už na vyšší úrovni B1 až do B2 si vzít už francouzskou metodu, kde opravdu je uplatněn francouzský přístup k analýze textů. Jsou tam určitě dialogy, kde jazyk bude živější. A k tomu teda, jo, protože ten student už, prostě ty hlavní interference už jsou zmáknuté, že jo. Potom už se dají i ve francouzštině, se dá pracovat na interference třeba v idiomech, že jo, v intonaci a jo. Takže tak, doporučit. Já sama budu tady to řešit, čím pokračovat, že taky ze studenty budu brzo končit se dvěma skupinama, třetí díl, tak taky toho budu řešit. No. A ještě tady mám něco. Ježiš, děkuju moc krát, já taky děkuju. Moc si toho vážím a opravdu číslo 121 mě ohromilo. Já jsem si jako kladla otázku, protože jako kdo mě zná, tak ví, že se fonetikou zabývám už hrozně dlouho a už jsem opravdu těch seminářů měla hodně, zejména
třeba v rámci aktivit pedagogické fakulty v Praze, která pravidelně pořádala fonetické semináře, tak jsem říkala, jestli opravdu už jako to není něco, co už třeba není moc velký zájem, že máme tady jiné výzvy, že jo, kritické myšlení, environmentální výchovu ve výuce a tak dále. Ale mám velkou radost, že teda jsem, nejsem jako mimo to téma a určitě udělám seminář teda ve svém regionu, že jsem taky přemýšlela, co bych tady nabídla. Ale ono je to opravdu něco, co nás zajímá, že jo? A co zajímá naše žáky a je škoda, když ztratí zájem i právě proto, že se třeba fonetice nevěnujeme, když vlastně oni to cítí často, že z nich teda neleze to, co by les mělo i po stránce zvukové. No. A ještě někdo tady něco připsal? Jo, Ježí, děkuju moc krát. Děkuju, hezké divadlo. A pokud ke mně nic nemáte, tak já vám moc děkuji. A určitě se ozvěte tady na ten odkaz a určitě prosím vás probádejte stránky SUF. Vy, kdo už v asociaci jste, zůstaňte jí věrní. Těším se na vás minimálně v Poděbradech. Myslím, že je to letos 9, 10, 11, prostě tenhle ten víkend. Takže děkuji moc krát, mějte se hezky, hodně úspěchů ve výuce, pevné nervy. A hlavně pevné zdraví. Děkuji moc. Au revoir.